Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo dans mon bureau, du coup, le nouvel endroit où je vais filmer la plupart de mes contenus. Aujourd'hui, c'est mardi, c'est genre le jour le plus chaud depuis quasiment un mois et demi, tu vois. Et qu'est-ce que je fais? Je suis là à tourner, quoi. Bref, j'ai quasiment fini le montage du vlog que tu as vu la semaine dernière, mais on n'est pas là pour ça, blablabla, ça commence. Aujourd'hui, je te propose un big haul. Il y aura dedans du Shein, du Sostrin Green, je sais jamais comment on dit, Sister Queen, enfin bref, Sostrin Green. Il y a un tout petit peu de Kiabi, il y a encore des bougies, mais cette fois-ci d'une autre marque. Donc c'est parti, on y va tout de suite, je suis absolument pas coiffée, mais on s'en fiche, hein. Let's go! On va commencer par Shein, comme d'habitude je te mettrai les photos avec les prix quelque part. Boîte à chaussures, si tu as suivi mon dernier haul Shein, tu te souviens certainement des baskets dorées, et je t'avais dit que j'avais craqué pour celles en noir. C'est chose faite, donc voilà, j'ai pris ces bébés, ces magnifiques chaussures baskets hautes en paillettes et clous noirs comme ceci. Évidemment, il y en a deux, mais comme je tiens le carton, je ne peux pas te montrer les deux. Mais du coup, voilà, les baskets, c'est fait, et je pense... Je croise les doigts. Ça sera certainement la dernière paire de chaussures que j'achèterai sur Shein. Parce que quand bien même elles sont très jolies, au niveau confort, c'est pas tout à fait ça. Donc voilà. En tout cas, je te les ai présentées vu que je les ai achetées. C'est fait. Mais elles, franchement, elles sont canons. On est d'accord. Dis-le en commentaire. Elles sont canons. On continue avec les... frénésie. J'ai craqué sur ce lot de 3 colliers. Alors, ça focus mal. Mais tu vois, c'est en fait 2 pendentifs, une goutte et perles. Encore une fois, le prix extrêmement bas. On est d'accord que c'est pas de la grande qualité de malade, mais pour le coup, je pense aussi que ce sera le dernier que j'achète, parce que bah, j'en ai déjà acheté beaucoup, ils sont là en dessous. Et mais je trouvais celui-là sympa, genre pour le début de l'automne, tu vois. Et puis après, je pense que je vais un tantinet me calmer. En fait, c'est comme ça. J'ai eu des grosses envies, tu vois, que j'ai assouvies. Et maintenant, on va pouvoir passer à autre chose. Parce que du coup, j'ai ce qu'il faut. Donc voilà, je te mettrai le prix, la photo, tout ça, tout ça. Pour le prix, honnêtement, vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Ensuite, j'ai repris pas mal d'accessoires pour mon téléphone. Donc j'ai pris cette coque-là. Pour les fans de Friends, toi-même tu comprendras. Donc celle-ci, donc vraiment Friends. Et après, comme j'ai pas su choisir, clairement, bah écoute, j'ai pris les 3. C'est-à-dire, il y en a une qui fait appareil photo, une qui fait genre cassette, tu sais, des années 80-90, parce que c'est la vie. Plutôt genre VHS, non, même cassette, et l'autre haute cassette, voilà. Comme ça, écoute, j'aime bien les choses qui font un peu genre... back to the 80s, tu vois. Donc j'ai pris ça, prix clairement, j'ai plus acheté mes coques ailleurs que sur Shein. Ça vaut grave le coup, c'était moins de 2€ la coque. Genre, allô. Pourquoi s'en priver? Bon, peut-être pas en prendre 18 à chaque fois, mais franchement ça valait grave le coup. Et dans le même genre, j'ai pris simplement, tu verras rien, mais c'est des verres trempés pour protection, et l'arrière pour protéger donc l'appareil photo. Encore une fois, en termes de prix, pour moi c'est imbattable. Donc clairement, bon, si, il y a AliExpress, mais j'aime pas trop acheter les choses sur AliExpress, parce que je sais pas. Pourtant ça vient du même endroit, mais écoute. Voilà, pour mon téléphone. Et enfin, c'est bientôt terminé avec Shein. Toute petite commande, hein. T'as vu, franchement, j'étais... mais il n'y a plus grand chose qui me plaît actuellement sur le site, donc écoute, voilà. J'ai pris ce gilet... cette veste en fait, sans manque, donc ouais, genre un gilet en jean, on va dire. Tout destroy, franchement plutôt pas mal. La qualité, encore une fois, c'est le jean Shein, c'est-à-dire il est hyper stretch, tu vois. Donc j'aurais pu effectivement prendre, j'arrive pas à le mettre correctement, j'aurais pu prendre une taille en dessous, tu verras, archi rien, mais c'est pas grave. Il est grand, hein, genre il est grand, j'aurais pu prendre un M, quoi, tu vois. Parce que oui, je l'ai pris en taille L. Le jean est quand même assez bien fait, donc il est vraiment très destroy, avec plein de... genre peinture, et je ne supporte pas sortir juste en t-shirt ou en comme ça, donc j'ai toujours soit une veste, soit un gilet, ou bref, j'ai toujours quelque chose en plus sur moi, donc je trouvais que c'était parfait pour cette fin d'été, début d'automne, même cet hiver sous un cuir par exemple, ou voilà, écoute, tout simple, je l'ai remis n'importe comment, mais petit gilet du coup, comme tu peux le voir, vraiment destroy, hein.
Et il taille grand, du coup. J'ai pris, qu'est-ce que je te dis? J'ai pris L. Il taille un peu grand, j'aurais pu prendre un M, mais c'est l'histoire de ma vie dans mes halls. Chine! Dernier article, Chine, normalement, si je ne me trompe pas. Oui, non, c'est ça. Là, j'ai craqué mon slip. Clairement, je le trouve trop, 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 trop beau. Je te fais grâce des pochettes. Toi-même, tu les connais. Il est trop beau. Donc, il s'agit d'un pull. La matière, je vais te la dire, je ne sais pas ce que c'est. Tu as suivi cet été ma passion imprimé animal. Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Dadam! Non mais il est trop beau les gars! Genre avec une tête de zèbre et tout. Il est canon. Il est trop 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 beau. Alors évidemment, il faudra faire attention en le portant. C'est-à-dire que faut rester très très simple en pantalon. On va pas mettre un... Quoique avec un pantalon, un carreau marron, ça peut être très joli. Écoute, j'essaierai. Rendez-vous bientôt sur Instagram pour les essayages de ça. Enfin, quand du coup, il fera vraiment pas beau. Bientôt. Parce qu'il est hyper épais, du coup, je te l'ai pas dit encore. Mais il est hyper épais, il est très très doux. Franchement, la matière, elle est top. Et la matière, c'est quoi? 30% nylon, 28% polyester et 42% viscose. Comment te dire que par contre, on va mettre du déodorant, hein? Mais il est vraiment très très beau. Je te le montrerai en photo du site. Il est vraiment canon. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, pour Shein, c'est terminé. Encore une fois, moi j'adore commander mes vêtements sur ce site parce que d'une, je trouve qu'ils ont pas mal de choix. Que, bon, toujours moins de choix pour les hommes que pour les femmes, mais ma foi, c'est comme ça. Pas mal de choix, vraiment pas trop trop cher. Quoique les prix, il faut quand même regarder parce que tu peux trouver des choses similaires, moins chères, même chez les grandes marques connues et reconnues. En tout cas, clairement, je pense qu'il y aura peut-être... Bon, là, je te dis ça maintenant. Parce que j'ai pas de commande en cours. Mais pas sûr que je commande autant chez Shein après. À voir. Et là, ça se trouve, je te dis une grosse, grosse, grosse ânerie. Parce que tu vas avoir un haul Shein tous les mois aussi. Hein, comme jusqu'à présent. Écoute, on verra bien. En tout cas, voilà. Là, j'étais un peu. Pas déçu. Mais bon, j'avais besoin de rien en fait. Donc voilà. Pourquoi acheter quand on n'a pas besoin? J'ai une coupe de merde. Dit-il, pourquoi acheter quand on n'a pas besoin? Il y avait des grosses, 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 grosses promotions sur le site de Party Light. Je te mets en description le lien de mon vendeur Party Light. Donc Julien, si tu passes par là, je te fais de gros coucou, de gros bisous. Et donc du coup, il va y avoir a priori une augmentation en septembre. Donc bah là, j'ai profité des offres actuelles pour me faire un petit stock. Donc un petit stock qui dit une, dit deux, dit trois. Et... dit 4. Non mais alors en vrai on se calme tout de suite. Il y a deux pots pour 49,90 et il y avait une offre effectivement deux pots pour 39,90. Donc en fait j'ai payé un petit peu moins de 100 euros mais pour tout ça ça va hein. Je te montre tout de suite celle que j'ai choisie. Il y en a deux. Je suis là. Il y en a deux actuels et deux pour cet automne. Alors écoute, je sais pas comment je vais les prendre. Je vais les tirer au sort. La première, la première, la première, la première. Eh ben écoute, la première, on comme. Ouh, je t'ai fait bouger. La première, c'est une de la collection de cet été. La Green Tea, j'avais vraiment hâte et envie de la commander. Je résistais jusqu'à présent et là, avec les offres, je me suis dit non, vas-y, c'est bon, c'est un signe. Le thé vert à fond, elle sent extrêmement bon, très très fraîche, mais un frais raffiné, tu vois. Elle est hyper hyper agréable, j'avais un parfum d'ambiance qui ressemblait beaucoup à ça. Mais c'est genre vraiment le thé vert, elle est sublime, je me réjouis de la faire brûler. Julien qui la connaît et qui l'a fait brûler déjà m'a dit qu'elle était vraiment top. Donc écoute, si tu la trouves, si tu la trouves encore, si elle est encore disponible, a priori n'hésite pas, elle a l'air vraiment top, je t'en dirai des nouvelles très très vite. Et là, on commence clairement un peu les senteurs automnales avec la Cinnamon Woods. Donc, c'est bois de cannelle, en fait, tout simplement. Je l'avais déjà acheté l'année dernière. Moi, tu sais que j'adore les odeurs de cannelle, les odeurs de bois, les odeurs, voilà, les odeurs automnales. Même si, encore une fois, on est en... On est encore... Je sais pas. Ah non, mais c'est l'ombre, en fait. Depuis tout à l'heure, je crois que c'est un cheveu, mais c'est l'ombre. N'importe quoi. Donc, voilà. Bois de cannelle. De la cannelle. Bon, là, Là, on est en automne. On est vraiment dans un... Dans ton canapé, en train de regarder une série le dimanche après-midi, tu vois, et il y a de la cannelle qui crépite. Non, très 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 réussi. C'est la deuxième fois du coup que je l'achète celle-ci. Je l'avais achetée ouais, l'automne dernier et j'avais vraiment adoré. Et là, du coup, avec l'offre, je n'ai pas résisté, tout simplement. Voilà. Et là, deux énormes coups de cœur, dont une que je connais déjà parce que je l'ai également commandée l'année dernière et
J'espère qu'elle reviendra aussi en automne l'année prochaine. La Spiced Pumpkin. C'est sans nul doute l'une de mes préférées. Parce que là, clairement, on est sur de la citrouille et des épices. Bah, Spiced Pumpkin en même temps. Citrouille épice en français. Ah, c'est une tuerie. C'est une tuerie, les gars. Gourmande, vraiment, genre, hyper gourmande, hyper chaleureuse, parfaite pour la saison d'automne ou même n'importe quand. Quoique, tu sais, comme je t'avais dit dans ma vidéo, ma première vidéo consacrée à mes bougies préférées, je te mets dans le petit i, j'aime bien assortir la saison aux odeurs. Donc là, pour moi, c'est un peu étrange de sentir la cannelle et la pumpkin, etc. Mais clairement, là, on est dans de la chaleur automnale, dans la gourmandise, en fait, automnale. Et le pot est vraiment très très mignon aussi, comme toutes les autres. Donc, j'ai profité de l'offre. Tu commences à comprendre cette partie bougie de la vidéo. Canon. Tu aimes toutes les fragrances que je viens de te décrire. La citrouille, la gourmandise, les épices, etc. Fonce, fonce, fonce. Une tuerie, une tuerie, une tuerie. Et enfin, on reste encore dans de la citrouille. Mais celle-ci, je la connaissais pas. Je ne sais pas, Julien, tu me diras en commentaire si c'est une... En fait, il y a Jazzy qui m'a fait des câlins tout à l'heure. Coucou Damage Dollar. Et j'ai plein de poils. Et depuis tout à l'heure, j'arrive pas à me les enlever. Ça me saoule. Genre vraiment. Ah, mais toi, tu les vois pas, mais. Excuse-moi si je me touche tout le temps le visage. Je disais, je ne sais pas, Julien, tu me diras dans les commentaires si c'est une nouvelle, quoi, que je pourrais regarder sur ton site, mais la flemme, tu connais. Pumpkin Brandy, écoute. On est sur de la citrouille comme la pumpkin spice, mais effectivement sans les épices, mais sur un cuir un peu. Un cuir, un alcool, bah oui d'accord le brandy, mais on est sur quelque chose de plus, peut-être plus adulte si je peux dire, que la pumpkin spice. Qui est avec le côté gourmandise très enfantin, mais là on a quand même un petit peu de tarte j'ai l'impression. Ouais non, c'est quand même un petit peu genre gourmand. Bon, je suis nul à la description clairement. Je te mettrai en barre de description de la vidéo le descriptif dans une barre de description, hello, de ces senteurs-là. Mais franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je me réjouis de la faire brûler. Je pense que je vais beaucoup l'aimer également. Ouais, quand même un peu... Il y a quand même de la gourmandise. Hein. Bah, c'est l'automne, quoi. Franchement, j'adore. Je te l'ai montré, je sais plus. Voilà, donc la Pumpkin Brandy. Voilà, on a fini avec les bougies, on repasse aux vêtements et du coup là c'est H&M. Je te parle d'odeur automnale avec de la pumpkin, de la cannelle, etc. Et je bois un verre d'une Mojito, sans alcool, parce que d'une la fête est plus folle et j'ai recommencé les Apple Day aujourd'hui. Alors comment te dire que je... Un jour par semaine je mange des pommes. Manger des pommes. Et bref, du coup là j'ai la dalle et ça c'est bien rafraîchissant, donc c'est cool. Donc j'ai été la semaine dernière chez H&M, chez Kiabi aussi, mais il y a juste un t-shirt, je te montrerai tout de suite. Et j'ai craqué sur en fait une tenue entière. Déjà, je vais commencer par le petit accessoire qui va aller trop bien avec mes baskets. Je ne sais pas si tu te souviens des baskets Adidas que j'ai achetées mi-printemps, transparentes là, tu sais. Genre, regarde, des petites soquettes. C'est trop mignon, des petites soquettes avec des cactus, donc franchement j'aime trop, trop trop sympa, voilà, donc à la base j'ai pensé de les mettre avec mes baskets, mais je les porterai aussi genre comme ça, genre avec des chaussures normales, tu vois, j'aime vraiment beaucoup en termes de prix, je te dis les prix tout de suite vu qu'ils sont dessus, comme ça c'est beaucoup plus simple pour moi, 2,99€, voilà, donc ça vaut grave le coup. Ensuite j'ai craqué sur ce pantalon, ça s'appelle un jogger. One eternity later. Un genre jogger en fait, mais genre habillé, tu vois. Donc en beige avec encore une fois la pince ici un peu crop, c'est-à-dire qu'il est court à la cheville. Les petits détails, les poches derrière, avec la l'imitation en fait de la braguette devant. Tu vois strictement rien. Attends, voilà, c'est mieux. Avec l'imitation de la braguette devant, le tissu hyper agréable, la couleur est juste magnifique. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce genre de couleur déjà, parce que je trouve que cette couleur me va bien. Et en plus pour l'automne, l'hiver, même au printemps, en été, bref, le beige, le camel, c'est la vie. Je l'ai pris en taille L, il est juste parfait, pas trop large, pas trop serré, juste nickel. Et je l'ai payé 29,99€, c'est la nouvelle collection. Ouais, la collection de cet automne de la rentrée. T'as le petit élastique là, tu vois, pour quand même bien le... Bah, pas qu'il tombe, ça ferait des ordres quand même. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, habillé ou décontracté, clairement, ça passe avec tout. Canon, j'aime beaucoup.
Voilà. Je redis j'aime beaucoup. Allez. Et enfin, je le portais dans ma dernière vidéo de Lee & Jack. Je te mettrai le i là. Il s'agit de ce sweat que je trouve beaucoup trop beau. La couleur déjà, encore une fois, donc pour moi ça allait parfaitement avec le pantalon, tu vois, pour faire un look un peu camailleux beige. Donc c'est un sweat à capuche, voilà, avec, il y a marqué quoi, Euphorie, esthétique, j'ai pas compris. Bref, voilà, vraiment il est super 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 beau, confortable pour sortir, genre sortir, tu vois, j'aime beaucoup. Et moi, en fait, ce que j'adore avec ce genre de pièces, tu vois, genre les suites un peu streetwear, c'est du coup de les casser avec le pantalon, par exemple, ou un pantalon de costume, tu vois, genre de casser le truc, pas forcément être premier degré, même si je les porte aussi avec des jogs ou des trucs pour, genre, rester à la maison ou aller zoner, tu vois, zoner tranquille. Mais franchement, t'imagines le petit sweat là, avec le pantalon un peu habillé, mes petites boots que je t'ai montré dans un de mes derniers vlogs, et par exemple, un cuir ou même une veste de costume un peu genre à carreaux, prince de Galles et tout. Le look peut vraiment être pas mal, pas mal, pas mal. N'aie pas peur de tout mélanger, les tissus, les matières, les motifs. C'est pas allo allo à qui dira le contraire, parce que je sais qu'on est sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Et c'est hyper important que tu t'amuses, en fait, dans la... J'ai l'impression de t'engueuler. C'est hyper important de t'amuser dans la mode, parce qu'il faut que ça te ressemble, il faut que ça soit toi. Donc si t'as envie, fais-le, et la plupart du temps, franchement, ça passe. Comme je t'ai dit, j'ai été chez Kiabi. Bon, bah, clairement, j'ai pas fait péter mon découvert, tu vois. J'ai pris un t-shirt basique, tout simple, bleu marine, et au sort noir, mais il est bleu marine, en taille large, parce que j'avais plus trop de t-shirts simples comme ça, sans vraiment, tu vois, genre tout simple, col en V, pour mettre sous une chemise, ou voilà, juste, parce que parfois la simplicité c'est bien aussi, même si on aime les imprimés animaux, et je t'ai dit de mélanger plein de choses il y a 30 secondes, être simple, des fois, tu vois, la petite touche, le petit truc simple dans la tenue, c'est ce qui fait aussi toute la différence, quand tu as par exemple une pièce de ouf, là, avec quoi je pourrais porter ça, bon, admettons, s'il était noir, par exemple, je pourrais tout à fait le porter avec ma veste dorée, tu vois. Donc là, petite t-shirt bleu marine, tout bête. Je sais plus si je t'ai dit le prix, 3 euros. Non mais, on va pas s'empêcher de t'acheter des t-shirts à 3 euros, hein. Ensuite, tu as certainement vu sur Instagram, je te mets mon Instagram encore une fois juste là, n'hésite pas à aller me suivre en story, me suivre sous mes posts, hein, bref, suis-moi sur Instagram. Mon partenaire beauté a organisé en fait ce qu'on appelle la sous-summer, c'est-à-dire que pendant 4 semaines, il y a eu des promotions sur des articles un peu cool, un peu phare. Et du coup, j'ai craqué récemment pour l'appareil contour des yeux et le sérum contour des yeux, tout simplement, qui vont sur ma brosse, c'est la Lumispa. Ma brosse nettoyante, celle dont je t'ai parlé dans mon dernier vlog. Et j'ai pris également le spray Napka. Donc le spray hydratant Napka, tout simplement à l'acide hyaluronique, pour rafraîchir ou à vaporiser à la place d'une brume d'eau minérale. Donc j'ai profité des promotions. Malheureusement, ces promotions sont finies, mais je te mets le lien de mon e-shop en barre d'infos également. Et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour qu'on discute ensemble si tu es intéressé sur certains produits. D'ailleurs, j'ai refait une commande aujourd'hui d'autres produits. J'en ai parlé ce matin sur Instagram. Je te mettrai la séquence quand j'aurai reçu les produits, quoi. Voilà. Je reviens vers toi comme promis quelques jours plus tard. Une bonne grosse semaine après. Ouais, il s'est passé des choses là-haut. Je te l'avais dit que j'allais essayer quelque chose. Je te l'avais dit. Pour donc te partager les derniers achats que j'ai fait avec mon partenaire, je t'ai dit juste dans la séquence d'avant qu'il y avait il y a eu des offres récemment. Encore une fois, si tu es intéressé par n'importe lesquels de ces produits, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on regarde tout ça ensemble. En tout cas, j'ai profité du coup d'une toute petite commande pour me racheter deux petites choses en backup. Attends, je pose mon carton. Il s'agit de mon gel nettoyant pour ma brosse nettoyante. Et j'ai repris celui-là. Clairement, je te le représente plus, dit-il en te le montrant. Il s'agit du gel, tu sais, le gel hydratant que j'adore. Texture gel, pas collant. Pour quelqu'un qui a envie que ça soit rapide, qui n'aime pas forcément mettre de crème ou quoi que ce soit. Il est vraiment top, 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 top. Et moi, je ne m'en passe plus. J'adore la texture, j'adore l'odeur, l'efficacité hydratante, top, 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 top. Et on va en venir au fait du pourquoi, du comment de cette nouvelle commande. Cette semaine, c'était... Enfin, la semaine dernière, du coup, il y a 15 jours, bref.
axé plus sur du make-up. Il y a eu une semaine où c'était sur des produits capillaires, donc j'ai acheté toute la routine capillaire. Il y a eu des semaines où c'était vraiment plus pour du produit skincare, etc. Là, on est sur vraiment un petit peu du maquillage, on va dire. J'ai pris le soin, en fait, pour les ongles. Donc, c'est t'as deux stylos pour vraiment nettoyer, hydrater, renforcer avec les petites limes. Je ferai des avant-après sur Instagram. J'en ai entendu beaucoup, 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 beaucoup de bien. Donc, du coup, j'ai craqué. Et puis, surtout, je sais pas si tu vois bien. Je sais pas si tu verras bien. Mais là, clairement, il faut que je grandisse et que j'arrête de me ronger les ongles. Donc, je me dis que ça peut vraiment m'aider à entretenir tout ça pour avoir enfin de belles mains. J'ai pris également, c'est de la gamme Nucolor, donc en fait c'est un traitement pour les cils et les sourcils, mais plus de base pour les cils, pour les hydrater, les renforcer, les faire pousser. C'est un petit mascara gel en fait, comme ça, mascara sérum soin. Donc voilà, j'ai profité donc du rabais pour l'essayer. Et enfin, je vais pas te les ouvrir parce que j'ai pas encore fini les autres, mais tu sais, c'est mes perles bronzantes, les petites perles bronzantes que je t'ai présentées dans ma vidéo, enfin dans mes vidéos, on se prépare ensemble, etc. Voilà, c'est comme les météorites de Guerlain. Est-ce que je vais te les chercher? Allez, je vais te les chercher. Voilà, donc tu sais, c'est ces perles-là. Voilà, les petites perles bronzantes. Donc, ils font bronzer, highlighter, blush, bonne mine, etc. Toutes les carnations, pour toutes les carnations, hommes, femmes, peu importe, voilà. Bon, là, aujourd'hui, j'ai rien mis. La semaine est compliquée, pas de jour de congé, je suis au bout de ma vie, je fais une sieste, ça m'arrive jamais les gars. Du coup, je vais pas dormir avant 5h ce matin. Bref, je te laisse avec le mois du passé qui est en fait pour moi, pour toi et le mois du futur. C'est parti, j'espère que tu continues à me regarder, faire mes âneries. 75 years later. Je vais faire un petit cut parce que j'avais chaud. Donc je te disais, on a bientôt fini, il reste plus que du random, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a de la déco et un petit peu de nourriture. J'ai donc été chez Sostrengren, Sister Queen, je ne sais pas comment ça se prononce. J'adore cette chaîne de magasins, j'aime vraiment beaucoup l'univers, tout ce qu'ils proposent, c'est tout, je suis fan, voilà, je pourrais passer des heures et des heures dans le magasin. Petit regret, le magasin qui est à côté de chez moi est pas très très grand, mais clairement l'équipe est au top et j'adore, c'est trop trop mignon. Bref, et vu que j'ai mon bureau maintenant qui est derrière, comment te dire que les trucs de papeterie et tout, ça va y aller. Hein. Faut quand même que je me détende parce qu'il n'y a pas 8000 m² non plus. Bref, j'ai pris des petites pinces comme ça. Il y en a une d'ailleurs qui tient actuellement, présentement, ma ring light. Parce que j'ai pas envie de racheter un trépied juste pour ça vu que j'ai cassé l'autre. Donc, petite pince comme ça qui tient ma ring light. Et je les ai prises en petit comme ça, je les trouvais trop mignonnes. Voilà, petite pince pour accrocher les dossiers, des photos ou quoi que ce soit, parce que du coup, je vais meubler un peu l'arrière, tu vois, pour faire un fond un peu sympa pour tourner les vidéos que je tournerai ici, hashtag raconte un life. Et 1,80€ les petites pinces. J'ai jeté l'emballage des grandes, mais je crois que c'était à peu près le même prix. Et il y en avait deux de grandes. Oui, parce qu'il y en a une là et une là, donc 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, petite pince toute mignonne, voilà, accessoire de papeterie. Pour la déco, attention les gars, déménagement, il me fallait évidemment, vois-tu, un fauteuil pour mon bureau et je n'allais pas prendre ceux du salon, donc j'ai trouvé ce fauteuil qui est, alors la vidéo encore une fois de l'extrême, c'est un fauteuil, tu vois, donc de salon, salle à manger comme tu veux, en espèce de velours gris, il est magnifique, il est très très beau, j'ai exactement les mêmes dans la salle à manger, il y en a un rose, un vieux rose un peu et un framboise écrasé en velours également, mais le velours avec les rayures, tu sais, là c'est un velours lisse. Je le trouve magnifique, elle est confortable à un prix vraiment tout à fait raisonnable. Alors j'ai pas gardé le ticket, mais je crois que c'était 59,90, j'allais dire 59,90, 59,90, 59,90 ou 69,90, ça valait vraiment grave le coup et ça va vraiment bien. Là tu le vois plus, mais couleur gris, etc. Je trouve ça vraiment super joli, confortable. J'avais pas envie d'une chaise de bureau genre gamer, parce que d'une,
je suis pas un gamer et de deux, je trouve pas ça esthétique. Donc du coup, c'était parfait pour l'endroit, donc super. Et enfin, j'ai pas encore goûté parce que je les ai vus récemment dans une des vidéos Lifestyle, il me semble, de Sab the French Way, qui aime beaucoup aussi sauce train graine. j'ai trouvé, écoute, ces trois petites choses-là. Hop, 1, 2, 3, voilà. Il s'agit donc d'ail liquide, de gingembre liquide et de basilic liquide. Il y avait également, je crois, thym, laurier, non, le thym, je crois. Enfin bref, et j'ai pas encore essayé, mais il paraît que c'est vraiment top. Tu mets 2 cuillères en fait par portion dans tes préparations, dans tes légumes, dans tes viandes, dans tes potages, dans tes sauces à salade, dans tes vinaigrettes, dans ce que tu veux. Ça se conserve après au frais, tout simplement, pour la conservation. Les dates vont très très loin, juillet 2022, avril 2023 et avril 2023. J'ai malheureusement plus les prix, mais je crois que c'était, il me semble, moins de 2 euros. Je crois, et tu mets, ils nous disent là, 2 petites cuillères en fait, donc dans tes préparations, pour tes marinades ou voilà. Bon, le packaging m'a eu aussi, parce que c'est vraiment trop trop mignon ces petites bouteilles. Mais écoute, j'adore les herbes dans la cuisine, moi je suis archi fan du basilic, tout ce qui est basilic, ciboulette, etc. Mais le lyophilisé, en tout cas pour le basilic, ou le basilic séché plutôt, je trouve que ça n'a pas grand intérêt et pas beaucoup de goût. Donc en hiver, je pense que ça peut vraiment être pas mal pour apporter une petite touche de soleil en fait dans tes préparations. Le gingembre, c'est si jamais j'ai oublié d'en racheter pour mettre dans mes potages ou dans mes woks par exemple. Même si du coup le gingembre frais ou le gingembre moulu, pour moi j'utilise les deux. Mais là du coup j'ai la version liquide. Et l'ail, bah, c'est pareil, c'est pour assaisonner. Et par contre je n'ai pas d'ail à la maison parce que je pense jamais en acheter en fait. Donc du coup j'ai de l'ail en poudre. Et maintenant j'aurai la version liquide aussi. Donc vraiment trop trop mignon. Et je t'en dirai des nouvelles peut-être dans mes produits terminés ou dans un vlog à l'occasion. J'arrive pas à bien les tenir pour te faire quelque chose de qualitatif quand même. Voilà, ça vient d'où? C'est bio, d'accord, donc ça vient de... C'est danois et c'est agriculture biologique, donc on est sur une qualité aussi très très bien. Ils ont pas mal de choses hein, niveau cuisine aussi chez Sauce Train Grain, et des préparations pour gâteaux, il y a tout ce qui est un peu des petites sucreries, des petits bonbons, t'as beaucoup de thé. J'ai déjà goûté un thé de chez eux que j'avais beaucoup aimé. Franchement j'adore, si tu connais cette boutique, n'hésite pas à aller faire un tour, tu trouveras certainement quelque chose à acheter. Je sais pas combien de temps j'ai filmé, mais normalement cette vidéo sera assez courte. J'adore quand je dis ça parce qu'après au montage, je me rends compte que ça dure 42 minutes. Merci à toi en tout cas pour ta présence comme à chaque fois. Merci de commenter, de liker, de t'abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir, ça me soutient. Et qui ne voudrait pas me soutenir? Hein? Le mec. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Je t'invite à aller checker la barre d'infos. Je mets plein d'informations dedans comme à chaque fois. Tu peux aussi aller voir mes autres vidéos si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à très très vite pour de nouvelles addictions. Ciao! Et pas d'alcool parce que je suis pas encore à boire des cocktails tout seul chez moi à 18h un mardi après-midi quoi, tu vois.